Nous avons dit que la défalcation qu'on a faite aux agents du CNHU pour faire de grève en 2015, cette défalcation a été anarchique. Ça a été mal fait à la tête du client, donc il va falloir corriger ça. Premier point. Deuxième point, nous avons dit que la prime spécifique qu'on a payée à tous les agents, moi qui vous parle, je l'ai déjà reçue. D'autres agents ne l'ont pas reçue. Le niveau central a pris, le ZOU a pris, les autres départements ne l'ont pas reçue. Payer au moins cette prime à ces agents-là, parce que tous les autres ministères l'ont déjà reçu. Ce n'est pas une prime payée seulement au ministère de la Santé, c'est payé à tous les ministères. Défalcation au CNHU, ils ont dit qu'ils vont réfléchir par rapport à ça et voir dans quelle mesure régler le problème. Prime spécifique qu'on doit nous payer et que les autres ministères ont déjà eu depuis le premier, c'est le deuxième semestre 2015, constaté avec nous que le gouvernement de la rupture a dit que c'est une dette de l'ancien gouvernement, alors que l'administration a une continuité. Donc de leur laisser le temps de payer ça en 2017. Nous avons dit niet. De fil en aiguille, de discussion en discussion, ils ont fini par dire que ce que cramponnait sur leur position, bien sûr, en disant qu'ils vont saucissonner cette prime en payant en quatre tranches. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une injustice. C'est un mépris de la part du gouvernement face à notre secteur. Nous sommes prêts à aller très très loin. Et nous avons encore reçu le soutien de plusieurs personnes. Les CPH, c'est-à-dire l'ensemble des praticiens hospitaliers, ils ont fait une déclaration aujourd'hui pour nous soutenir. Ça nous donne du tonus. Nous avons encore les confédérations qui viennent de nous soutenir. Ça, c'est encore du tonus. Ça, nous irons très loin. Nous avons déjà signé une motion de 72 heures de grève. Ça, c'est déjà signé. C'était 48 heures par semaine. Cette fois-ci, à partir de la semaine prochaine, c'est 72 heures de grève toutes les semaines, renouvelées par tacite de conditions.